Yo la famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Hein? Moi, je vais super, super bien. Ok, comme je vous l'ai promis ce soir, ainsi la vidéo tant attendue. Voilà, en fait, c'est juste un constat. Cette vidéo-là, je vais me prononcer sur le cas de Bordeaux et Arafat. Vous voyez un peu le ton de ma voix, c'est parce que ça m'attriste un peu ce que je vois. J'ai l'impression qu'il y a une machination qui est en train de débuter vis-à-vis de ces deux personnes-là, honnêtement. Parce que je ne peux pas comprendre que depuis la réconciliation de ces deux personnes-là, tout le monde s'acharne contre eux. Tout le monde, je dis bien tout le monde. Que ce soit les médias, que ce soit les internautes, que ce soit même les collègues, que ce soit des personnes dans l'ombre. Tout le monde s'acharne sur eux. Je n'ai pas envie de citer des noms. Je n'ai pas à avoir moi-même des problèmes, mais franchement, il faut qu'on soit très solidaire autour de Didier Arafat de Bordeaux. Parce que je peux vous dire, je peux vous rassurer, par appel anonyme, qu'il y a des personnes qui en veulent à ces derniers-là. Honnêtement. Le truc, c'est quoi? Voilà. On veut les casser pour permettre à d'autres de s'imposer, s'imposer totalement. C'est ça le vrai point, en fait. On veut les casser. Quand je dis bien les casser, je pèse mes mots. Hein. On veut les casser, les détruire même. On veut les faire repousser au plus fort de leurs entrailles. Parce que, comment vous pouvez imaginer, je prends un exemple simple. On va partir de Roseau Vacances. Roseau Vacances, aucun groupe n'a imité des Bordeaux et Didier Arafat. Or, dans les éditions de Roseau Vacances antérieures, je ne parle pas des deux dernières éditions qui sont passées et celles qui viennent de se terminer, les enfants ont toujours eu pour habitude d'imiter Arafat et des Bordeaux. Même si, comme on dit, c'est mou, c'est mou, c'est mou, vous allez voir au moins deux ou trois ou quatre groupes même imiter ces deux-là. On n'a vu aucun des groupes les imiter. Deuxième constat, dans ce même Roseau Vacances, Didier Arafat n'a jamais été invité à prester. Des Bordeaux non plus. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Hein. On prend maintenant le clash musical. Le clash musical organisé par la RTI. C'est bien beau, le coupé décalé a gagné. Durant toute la cérémonie, on n'a vu ni des Bordeaux ni Arafat prester. Or, lorsqu'il y a des clashs, lorsqu'il y a des griefs dans le milieu du showbiz, tous les acteurs sont concernés. On va dire que quoi? C'est parce que ces deux-là sont trop brouillons, ils sont trop indisciplinés, qu'on ne les a pas invités, je dirais n'importe quoi. Voilà, si vous observez avec moi, hein, Didier Arafat et des Bordeaux n'ont pas été invités au clash musical durant toutes les confrontations. Troisième constat, Baby Dance Battle. On va dire pratiquement la crème de la musique coupée décalée a été invitée. DJ Léo, DJ Mix, des choses, trucs Serge Mino, qui encore, Safarel et autres. Mais des Bordeaux et DJ Arafat n'ont pas encore été invités à cette émission-là. Et je trouve que c'est triste. Parce que mine de rien, c'est des personnes qui travaillent beaucoup pour la musique ivoirienne, qui font beaucoup, qui vendent vraiment, 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 vraiment beaucoup la musique à l'extérieur. Un gars comme Debordeaux qui est critiqué de partout, mais c'est le seul artiste coupé décalé qui t'a fait une tournée chose américaine, une tournée européenne et un concert à guichet fermé au Palais de la Culture. C'est cet artiste-là qui a eu le plus gros cachet de concert parmi les artistes coupés décalés. C'est des choses à féliciter, c'est des choses à encourager. Ne mélangez pas l'attitude de la personne et le travail que cette personne a fourni. Honnêtement. Il y a des personnes qui en veulent à Didier Arafat et des Bordeaux, je peux vous l'affirmer. Je ne suis rien, donc je ne peux me permettre de dire certains noms. Mais je vous donne quelques pistes pour que vous compreniez un peu ce que je suis en train de dire. Partagez cette vidéo-là, partagez cette vidéo-là, parce que c'est un constat qui m'a vraiment attristé. Et comme vous êtes comme une famille pour moi, c'est pourquoi je viens ici vous la partager. Vous le partagez, s'il vous plaît. Honnêtement, on veut détruire la carrière de Didier Arafat et de Bordeaux. Là, je vous le dis. Mais une chose est sûre, dans ce message, dans cette vidéo, je vais profiter pour envoyer un message à ces personnes qui sont cachées dans l'ombre, tapis dans l'ombre, à conspirer contre ces deux personnes-là. Tant que ces deux personnes-là auront les fans derrière eux, gardez vos radios, gardez vos télés, gardez vos médias. C'est vrai, vous faites la promotion, mais c'est nous qui les faisons. C'est nous qui payons
chose, les passes pour aller à les choquer, à les concerts. Et tant que Dieu n'aura pas décidé la fin, tout ce que vous ferez sera nul et non effet. Merci.